listen up. I got good news, bad news, and the biggest news of human history. This gentleman is a first contact scenario. Intelligent life, Private. And I don't mean the sort you find every time you cross the state line. Contrary to whatever you might have heard, there's no playbook for this sort of situation. And to make matters worse, to the world, we've just gone dark. Yo les Marsouins, c'est Tipex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tout premier épisode d'Arma 3 Contact. Je suis en live sur Twitch, vous allez avoir les rediffusions des épisodes sur YouTube si bah, l'ensemble de la campagne solo se passe bien. Vous avez vu, il y a un peu de science-fiction, c'est la première fois qu'on voit Arma aller sur ce terrain-là, donc on va découvrir ensemble ce que ça vaut. Bon visionnage à ceux qui sont sur YouTube et pour en live sur Twitch, on fait ça en direct. Rudwell! Time to move. Where's Jack? I don't know. He went to relieve Baker on point. LP! Dill! You still in this? All right, fuck it! On me! Let's go! Let's go, les amis! Salut Baker, au passage! On va suivre le lieutenant Kingsley. Il est 9h44 dans la manufacture de Scylla. Oh putain! Alors pour info, c'est une nouvelle map. Donc en même temps, on va la découvrir avec ce DLC quoi. Attends, laisse-moi sortir mon arme. Elle est où mon arme? Ah, merci. Mais merde, tu la prends en pleine tête, non? Merci. On arrive, on arrive. C'est le Runes. À l'ouest de notre position. Ok, sur la gauche. Enfin, je sais pas si c'est les potes qui bombardent là, mais on est sur le terrain quoi. Faut le dire. Merde, on a perdu Baker. Attention au mouvement à midi, ok. Non, c'est pas, c'est un arbre ça. Je les vois pas à midi, chef. Ah, puis avec ce temps, laisse tomber quoi. Enfin, faut que j'aille où là? Ok. Super la map. Bon, je progresse hein. J'ai un de vos gars qui brouille un drone. Ok. Ok, je suis opérateur drone, de drone. Ça doit être les copains.
C'est quoi ces explosions qu'on a depuis tout à l'heure là? Ouais, salut. Keep that jammer on it, Jack. Là, je suis pas le brouilleur, Jack, ok. What is this? Yeah, I tried that. Server panel stuck. You wedged a fucking screwdriver in it? Yeah, like LOL. It's stuck. There's an operator control station in. Mec, il a mis un tournevis dans le truc quoi. Okay. On accède au terminal. Stop. Edit. Parameters. Simulation false. And execute. Howlite 4-1 to Howlite Actual. Livonian Defense Force UGVs are out of action. I reckon I could pull some intel if you can wait one. Over. Ah, too slow. Hey. Great. You bluebells get extra points if you shoot us in the back? Hey, what the hell? There, American. I shoot you front. Yeah, thanks. I appreciate it, pal. On était dans une simulation, en fait, c'est ça, si j'ai bien compris. Enfin, eux, ils avaient pas l'air d'être dans une simulation. C'est sympa, le commandant. D'accord, lieutenant, on y va. C'est parti. Il m'a dit il y a un conteneur vert et un connard juste à côté. C'est lui qu'il faut qu'on aille voir. C'est le commandant, je crois. Ah, c'est un terrain d'entraînement, ça. Oh, bon, ça doit être lui. Bonjour, commandant. You the new blood? Yes, sir. Specialist Aiden Rudwell. I've just been reassigned on a PCS. Then you are my problem. Wonderful. Do you have a map? Just a sketchbook, sir. Not enough maps to go around. Sinews of war, huh? Rip that one off the whiteboard here. Ok, merci. Vous en avez pas, vous? D'autres? Non? Ok, so let's take a look at this. Our joint exercises span the Nod Bor region. As you know, that's pretty much one big military training area. No civ pop to give us any trouble. But this is premium strategic real estate. The Andreev Gap. Take ground here, and you close the door on the Baltic states. Anyway, our boys are pushing east from the Kaliningrad border. Obviously, in this scenario, role-playing as the Russians. That means we'll be facing off against the Livonian Defense Force. Already this morning, we put some pressure on their MSR here. Later today, they'll counterattack, dominating the high ground south of our position. To simulate this, we're doing a lot of live fire on this hill. Perfect. That's this country. Non, c'est une nouvelle map, Nico. Salut à toi. Fireworks. Salut, ex. Shit you not. Even the weather here is against us. Listen, let's wrap it up. Point out anything you want to know. Ok, donc là en gros c'est un grand terrain d'entraînement. Donc là la nouvelle map, Nico, c'est Livonia. Le trou noir local. Ok, commandant. Salut Zemon, ouais, ça sera rediffusé sur sur YouTube. Camp Conrad. That an FOB, sir? It is. And right on the edge of our live fire zone. Shopka 41. Let me guess, an old Soviet site? Radar base.
LDF tests their drones there. Ah, Polana. The LDF have a small logistics staging area at the junction there. It's only home to a few MTA wardens now. Everybody else left. Seems we don't make good neighbors. That's the Livonian Defense Force's MOB. Aside from being their main base of operations here, it's also the home of the elite 5th Regiment, Special Forces. You'll spot them by the wolf's head insignia on their sleeves. Tête de loup. Nadbor. You know if that's a large town, sir? Large enough. Just don't expect a warm reception. People there, they've had enough of army folk. Ok. C'est sympa là, cette petite interaction là, c'est où tu restes sur le point d'interrogation et t'explique les positions. Ah bah tiens, la route. Non, civilian corridor. C'est the only way through to Nadbor if you haven't got a pass. All right then. Let's get this shit show on the road. See that concrete office across the courtyard? I need you to go on over and assist your slack ass corporal. I need that electronic warfare demo making sense. Ok, donc j'ai pris la carte. Ah, il y a un casque VR. C'est pas de la pub en haut là pour leur jeu là. Leur jeu à Bohemian Interactive là, dans l'espace là. Je sais pas comment il s'appelle. Second Mars. Je crois que c'est ça le nom du jeu. Bon bah au revoir commandant. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Ok. C'est par là. Ah, je vais regarder mon inventaire, tiens. J'ai quoi là? Fumée blanc, grenade fumée. Ouais, j'ai rien du tout quoi. Ok. Hey, yo Rudders. Salut. I'm teaching some Russian later. I need to, you know, cement it in. Yeah. But I can't fix the problem between your ears, Lane. Screw it then. The only words I need now, I got in English. La taille dure. Hein. Oula. Les exercices militaires accroissent les tensions. Les forces américaines arrivent en Livonie pour des manœuvres militaires conjointes sur fond de tension au sujet de l'adhésion russe au CESAT. Quelques 25 000 soldats livoniens, américains et britanniques participent aux manœuvres conjointes à moins de 15 km de l'enclave russe de Kaliningrad. Baptisé Exercice Electron 39, cet ensemble de manœuvres est le plus vaste jamais effectué et il intervient seulement quelques semaines avant une décision du Kremlin sur son adhésion au CESAT. La Russie a dénoncé cette démonstration de force si près de ses frontières. Elle y voit une menace pour sa sécurité. Son ministre des Affaires étrangères, Poda Makarovitch, a déclaré « Les bruits de bottes de l'OTAN sont contre-productifs, le monde est déjà au bord du gouffre. » Un retour au vieux réflexe de la guerre froide serait catastrophique pour tout le monde si les États-Unis continuent à ignorer le nouvel ordre mondial et insistent pour s'inventer des ennemis là où ils n'en ont pas. Ils risquent de matérialiser leur peur. Livonia. Ok, ils sont pas contents les Russes. Hein. Les exercices électrons ont commencé en 2035 et ont lieu tous les deux ans. Environ 14 000 Livoniens et 10 000 soldats américains prennent part aux manœuvres cette semaine. Ils sont assistés par 1 000 soldats du Royaume-Uni et d'autres États de l'OTAN. Pardon. Les forces participant à l'exercice se concentreront sur l'interopérabilité sur la défense nucléaire, radiologique, biologique et chimique, ainsi que la guerre électronique. D'après Sean Bradwell, correspondant de l'AAN à André Jouf, désolé si je prononce mal, hein, les trucs russes, pas mon fort, la paranoïa en Europe de l'Est est à son comble depuis que la Biélorussie a entamé les discussions d'adhésion au CESAT à l'issue du sommet de Moscou de 2035. Il ajoute que de nombreux observateurs occidentaux s'inquiètent toujours des Apex Papers et de l'expansionnisme du bloc en matière de soft power. Bradwell affirme que l'exercice électron est un moyen de retrouver confiance à un moment où le CESAT semble viser l'hégémonie mondiale. Si la Russie rejoint l'Alliance, alors le dernier domino le plus important sera tombé. Ok. Ça doit être là. Et il y a...
Rodwell. Salut, Donald. Ok, je te remercie. Vous êtes ici, ok. Donc ça, c'est ce qu'ils ont sur leur manche, là, le loup. Le wolf. Ok. On va aller voir l'autre sur le toit, là. Je pense pas qu'il y ait des choses à récupérer, mais bon, on sait jamais. On n'est pas dans un RPG, on est d'accord. Première tempête de neutrinos sur Terre. Voilà. Depuis longtemps, les neutrinos sont des particules qui intriguent les scientifiques. Ok. Un film sur les exilés agite la... Attends, je peux cliquer dessus, mais lol, on va regarder ça après. Le pic des détections de neutrinos a commencé à 6h47, heure locale, le 10 juin, à l'observatoire Super-K aménagé sous le mont Ikeno au Japon. Negano Ishiguro, le chef de projet, penchait à l'origine pour un problème technique. Nous n'étions pas vraiment inquiets jusqu'au premier appel venu d'autres observatoires. Nos résultats ont été validés par l'observatoire Ice Cube en Antarctique et par le détecteur de neutrinos Nevod de Moscou. C'est seulement à ce moment-là que nous avons compris qu'il ne s'agissait pas d'un problème d'instrument. La quantité de neutrinos traversant la Terre semble avoir été multipliée par 3. Cela pourrait être dû à l'activité d'une énorme supernova ou d'un blazar, ou même constituer la preuve de l'existence de nuages de neutrinos, voire d'un événement cosmique inconnu. Bien qu'en soit la cause, c'est une découverte palpitante qui pourrait changer notre conception de l'univers. Et ça, on peut y aller ou pas? Non, c'est du fake. Il n'y a plus internet. Il n'y a pas d'autres ordinateurs comme ça? On va prendre des petites choses. Ça fait partie du lore hein, de ce DLC, je pense. C'est toi que je dois voir? Salut Jack. J'ai pas le choix. Hein. So what are you, like idiot-proofing? Hey, I didn't want to be here, Jack. Ah, whatever. Better you than some damn bluebell. Jammer's on the desk. Let's get you zapping shit. Ok, merci. Salut, Thomasos. Now, what you've got there is some funky fresh tech. A modular electromagnetic spectrum device with an integrated analyzer. Oh, that's catchy. Yeah, which is why us Sparkies call it a Spectrum or M-Spec device. C'est tout, Jack? T'as que ça à me dire ou quoi? Ah, here we go, my faithful assistant, Monsieur de la Dalterre. Monsieur de la Dalterre, c'est moi ça? I don't know, it's doing stuff, ain't it? Okay, so, point the antenna at him, hold it, and wait for the signal to scan. You ought to get a confirmation beep. See those bars lighting up on your display? That's his signal strength. Merci, French. Use those readings to get a rough location of the source. First lesson's tracking. Hit him up over to the right, and again, scan that signal. T'es scanné, Jack. This is simple electronic support. Identifying electromagnetic emissions to map a battlefield. Yeah, think blindfold chess. Minus a blindfold. Okay, nice. Ah, something else. You don't need a visual in order to receive radio waves. See if you can find them. Il est là, ouais. Yep, there you go. Moving on. Electronic protection. Ah pardon. Huh. I'm not sure he's coming back. Is the geofence on? Nah, he's good, he's good. He knows where he's going. C'est chiant le sous-titre là qui monte du coup quand je me mets en mode visé là. Ouais French, c'est la nouvelle campagne solo là. Take a look at your device. You got full bars? Nope. Exactly. The hill's attenuating the signal.
In this part of the demo, I go on about terrain, how it affects high, very high, and ultra-high frequencies. Yada yada, you know all this. Yeah. Bien sûr que je connais la topo. Show me how you jam stuff. Electronic attack, the third and final pillar of electronic warfare. I was building up to that. Allez, Jack, accouche. Ah, il est revenu le drone. Ok. Ah, ok. He's setting down. Telemetry's out. Yeah, the noise you're transmitting breaks the connection. Autopilot takes over. He thinks he's out of range. Specialist Rudwell, Lieutenant Kingsley. You got a minute? I need a sanity check up at Point Dakota, over. Affirmative. North or South Dakota, sir. You mean there's more than one? Look, once you're done digging around on that roof over there with Stipe, I'd like an assist. Out. Hmm, I better see what's up. On va aller voir. Le lieutenant, il est un peu... il est pas énervé, mais bon. Ah, il a pas l'air joyeuse, comme dit Rodwell. Bon, salut Jack, à prochaine. Merci pour tes enseignements. Salut les copains, je me casse. Où est sorti? Ah, yeah. Hop. Équipé avec leurs explosions, putain. On va passer par là. C'est un peu plus haut. De Green Devil. Ah là. Ça par contre ça a pas changé. La physique d'Arma. En tout cas c'est assez fluide hein, quand même. Au moment où je dis ça il y a une petite saccade mais... ça a l'air assez fluide. Salut lieutenant. I gotta verify some numbers for the live fire. Well, all I'm getting is a false negative. Maybe a dud designator. Could be, but only the GPS is out. Huh. Do you mind if I take a look at it? Yeah, no, not at all. Be my guest. Ah oui, c'est vrai que j'étais ou pas opérateur drone dans mon ancienne vie. Donc je vais lui filer un coup de main. There's a load of concrete targets. On the hilltop to the south, should be marked with purple smoke. Oui, ça va. Ça c'est voyant. Okay, I got him. Coordinates are 0, 6, 7. Yeah, it's glitching. Magic touch? You know it. Un petit coup. Can you give it another shot? Un petit coup sur 0, 6, 8, 0, 1, 5. Confirmed. Great job. Really? Tu vois, faut juste taper dessus. I'll call it in. Alchemist, Howlite Actual, requesting cast support on 068015. Over. Message received, Howlite. Stand by. Greyhawk's vectoring for approach. Out. Ah. Give it a few secs. Payload's a GPS guided smartphone. Ok, on va voir comment ça pète. You ever seen one of those things go boom before? Yeah. Right. Drone operator. Sign up for that? Not really. I enlisted as a translator. 6 languages and an extra G every month. Then, it all went digital. Anyhow, long story short, helped my kid put together a mini bot last Christmas and figured, hey, Army can have me doing drones. Pointless to fight the future, huh? En gros, j'étais pas opérateur drone. Je devais être traducteur, mais il y a des machines qui font ça mieux que moi, donc du coup, bah, j'ai dû me reconvertir. Ok. There he is. You got him? Non. He's missed it.
Overshot the target by what? Half a click? Ça te fait rire. No. Oh my god. I'll call Putain. Signs. Incoming on the factory. Oh, c'est... Putain. Lieutenant, c'est tombé dans la base, je crois. Merde. Rodwell, get down there. Find out if there's any casualties. J'y vais, chef. Merde. Il y a un gros bug sur le désignateur. À moins que ce soit le drone qui est merdé, je sais pas. Oh bordel. Il y a des hommes à terre, chef, il y a des hommes à terre. Oh fuck. Lieutenant, it's bad. One of ours wounded. Two others non-responsive. Oh, les autres sont morts. 6, maybe 7 LDF all dead. Advise, over. Get a med kit, do what you can. Private Dillon, stretcher. Corporal Stipe. Move that APC off those cobbles before space break helo. Qu'est-ce qu'il veut que je vire là? Pour l'hélico? J'en ai pas besoin de deux, une seule ça suffira. Un truc s'est effondré dans l'usine. J'ai entendu, j'ai rien vu. Attends, c'est le bordel mon gars. Je peux pas le soigner lui là? On va voir les autres, d'accord. Eux ils sont morts. Il m'avait dit de virer un truc là pour l'hélico là mais attends. Je me dirige au bon endroit ou pas? Ok, c'est à droite. Ah ouais, il y a un gros trou là. Jack, you all right? Oh! Quoi ce truc là? Lieutenant, Jack's hurt. The APC dropped in a sinkhole. And there's something real weird growing up. Carrément bizarre, hein. C'est une plante? Jack, ça va ou quoi? Oh, Jack il a peur. Je vais récupérer son casque. Non mais c'est quoi ce bordel là? Et ils me répondent là ou pas là? Faut que je fasse quoi avec Jack? Ah d'accord, j'ai peut-être une interaction à faire avec lui mais Ah oui, d'accord, attends. Faut la choper. Ah je le soigne de là là? D'accord. Lieutenant, do you copy? I read you. I got eyes on a dust off. Wiem, że mnie rozumiesz. Sabiesz ranego kumpla i wywołasz się z tej dziury. On bouge pas, on bouge pas, on bouge pas. Il est énervé lui là, oh. Baisse ton arme mon gars, baisse ton arme. Wiem, że znałeś polski, odpowiedz mi. Zacznij wreszcie gadać. C'est moi qui vise ou c'est le truc là? Il me fait peur. Et ben voilà les amis, c'est la fin de l'épisode 1 sur YouTube. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire si c'est le cas et un pouce bleu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Si elle est jeune, portez-vous bien.